Bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous présenter ceci, la pochette Intime Étanche qui sort dans le hors-série du magazine Idée à faire qui vient juste de sortir, qui est disponible. Je vous ai mis une photo ce matin et je me suis dit que c'était aussi sympa de la voir en action. Donc il s'agit d'une pochette en tissu enduit, vous voyez que ça brille, hein, dans un imprimé de chez Rico Design que j'ai trouvé très très frais. Et puis un peu intemporel en termes de saison, puis j'aimais bien les fleurs, ça me rappelait un peu le zéro déchet, tout ça. Donc c'est des fournitures, toutes les fournitures que je vais vous montrer, je les ai trouvées sur le site tissu.net. Donc la pochette intime étanche, c'est un projet destiné aux créatrices ou aux utilisatrices hein, d'articles zéro déchet. Le principe est celui-ci, donc c'est une jolie pochette, ça d'accord, on est content mais on va au-delà quand même. Qui s'ouvre à l'aide d'une fermeture éclair et qui contient en fait un filet de lavage amovible. Le principe est le suivant, avec l'équipe d'Idée à faire, on s'est dit, bah, effectivement, quand on utilise des articles zéro déchet, il faut toujours les stocker quand ils sont sales, avant de pouvoir les laver. On a décidé de vous proposer un article qui fait deux en un, je m'explique. Je suis en vadrouille avec mon bébé, par exemple, je vais vous montrer l'exemple avec une couche lavable hein, qui est là. J'ai changé sa couche, tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire de sa couche qui est ici? Je vais simplement venir la placer dans ma pochette. Voilà, donc elle est doublée hein, en enduit aussi, ce qui permet de pouvoir la nettoyer et d'éviter les fuites. Et je viens fermer ma pochette. Je termine ma journée tranquillement, je ne pense pas à ce qu'il y a dedans, ni à l'odeur, tout ça. L'enduit devrait éviter que l'odeur passe trop et que l'humidité ne traverse. J'arrive à la maison le soir, j'ouvre ma petite pochette, je vais vous montrer exprès de ce côté. Et je viens en fait déclipper mon filet de lavage qui se trouve à l'intérieur. Alors le tuto, il vous explique tout, hein, comment faire la pochette, un patron en taille réelle, explication en pas à pas comme d'habitude, mais vous avez aussi le filet. En fait, c'est un tuto deux en un quand même. Et donc je viens, donc je, hop, ma pochette, je vais la nettoyer par exemple à l'eau savonneuse ou quelque chose, et je viens ici déclipper mon petit filet, vous voyez qui se ferme en plus, le petit filet de lavage, en coton et puis en tissu filet, voilà, qui est aussi inclus dans le tuto bien sûr. Et j'ai fait exprès, vous voyez qu'elle est quand même, il est quand même bien plus grand que la pochette, parce que le but c'est que dans la machine à laver, ça puisse se laver correctement, sans sorte que les affaires n'en sortent. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira ce nouveau tuto, j'ai beaucoup aimé le préparer. J'ai tout fait aussi de A à Z, hein, vous voyez la petite pochette qui est là. Ben voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière, hein. Un tissu filet, mèche, hein, et puis... J'explique aussi comment bah, fermer la pochette, mettre les petits biais, tout ça, tout ça. Vous avez aussi un tuto additionnel en lien vers mon blog en vidéo pour vous expliquer comment créer un biais maison. Et voilà, pour vous montrer un peu les finitions à l'intérieur. Vous voyez, on ne voit pas du tout le bord, là en haut en tout cas, le bord de la pochette et à l'intérieur non plus. Voilà, j'essaie d'avoir des finitions qui soient très soignées, qui évitent que le tissu aussi ne file au lavage. Et hop, vous êtes en route pour le zéro déchet avec cette créa. Vous pouvez tout laver, hein. Autant une couche lavable, mais aussi des masques sales, c'est la saison. Vos lingettes démaquillantes, les lingettes pour nettoyer les fesses de bébé, tout ça, tout ça. Elle est faite pour tous ces articles-là, dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'ils sont souillés avant le lavage. Et ensuite, vous pourrez les laver tranquillement avec une créa aussi fait maison. Je vous remontre une fois qu'on a terminé. Donc, on lave le filet, bien sûr, hein, avec la créa. Quand on a terminé, on vient la déclipper et on vient chercher la pression femelle qui vient se clipper avec la pression mâle dans la lingette. Dans la pochette, excusez-moi. La seule chose ici, c'est que j'ai fait des petites languettes en biais pour que ce soit plus facile. Si vous avez envie de vous amuser à utiliser de l'enduit, il n'y a pas de souci non plus. Hop, je viens remettre ma pochette dedans. Donc elle se clipe d'un seul côté, c'est voulu. Voilà, elle est placée à l'intérieur. Et puis, je suis prête pour une prochaine sortie, pour aller en vadrouille. Bon, on est d'accord, en ce moment, les sorties sont un peu limitées, mais on ne perd pas espoir. Bientôt, on pourra de nouveau se promener, aller faire d'autres choses. Et puis, on peut aussi se servir de cette créa à la maison, hein, en la posant au bord du lavabo et en stockant ses lingettes démaquillantes, le temps que le filet de lavage soit rempli. Voilà, donc j'espère que cette créa vous plaira. Moi, j'ai beaucoup aimé la préparer. Vous retrouvez le tuto complet dans le hors-série du magazine Idée à faire que vous pouvez retrouver sur leur site idéeafaire.com. Voilà, laissez-moi des petits messages sous cette petite présentation. Ça me fait toujours plaisir de connaître votre avis quand je prépare une créa. Je vous embrasse et bon lundi les cousettes.